Dans le bendo, j'ai le droit de veto. Comme l'esprit, j'envoie ma sœur, j'envoie mon porte-monnaie de crypto. Plus d'espèces, merde. Vive d'esprit pour Jaël Ghetto. Ça pue les chiens. Oh, je peux te raconter mon rêve. Vas-y. En gros, j'ai rêvé que j'étais à la maison et tout tranquille, pépère, tu vois. Genre posé, comme ça. Et puis, je vais dans le salon et il y avait un colis, d'accord. Et il y avait un colis et tout. Et dans ce colis, je l'ouvre. Et il y avait un bonnet. Ah, mais je te l'ai raconté tout à l'heure, non? Attends, je l'ai raconté? Si, mais j'allais faire genre, tu me l'as pas raconté pour le Ah stream. Non, je te l'ai pas raconté, c'est à Loli que je l'ai raconté. Ah oui, c'est vrai, c'était vraiment. Et bref, j'ouvre ce colis, et dans ce colis-là, il y a un bonnet, tu vois. Et je me dis, vas-y, je vais l'ouvrir. Donc j'ouvre, et le bonnet, il était beau. Un bonnet sympa. Ça, très beau bonnet, il était blanc, je me rappelle même ce bonnet. Et dans ce bonnet-là, je vois quoi? Je vois une enveloppe. Car là, vous me suivez, la famille, ok? Je vois une enveloppe et tout. Et j'ouvre l'enveloppe, et je vois une meuf en nuisette sur son lit, comme ça, avec les jambes croisées qui se prend. En photo, un peu à moitié à poil. Moi je commence à regarder la photo, je me dis mais ouais c'est qui celle-là. Je me dis c'est qui celle-là. Il y a la meuf, elle arrive et elle vient et elle me dit qu'est-ce que tu regardes toi et tout, tu vois. Donc moi je regarde, je fais je sais pas, tu vois, je continue d'ouvrir et je lis et derrière il y avait marqué quoi? Il y avait marqué hâte, trop hâte de retrouver. De te revoir, un truc comme de ça. De retrouver ton corps. Ouais. De te voir à nouveau pour toucher ton corps, un truc comme ça, tu vois. Moi je commence à faire ça. Et je me dis mais wesh, la connaissais pas la meuf. Et la meuf elle commence à m'embrouiller. Ouais, c'est qui celle-là? T'es sérieux, sale connard, tu m'as trompé. Moi je lui dis mais non, je la connais pas et tout, tu vois. Je commence à dire ouais, je la connais pas et tout. Et elle m'a embrouillé, elle me cassait les couilles alors j'avais rien fait. Et après je me suis réveillé, y a pas de chute, je suis désolé. Oui, et Thomas, ce que je lui ai raconté, c'est que en gros, un mec intelligent, si voulait, il pourrait niquer son couple. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui d'intelligent peut niquer un couple facilement. Je sais pas si vous avez vu la série You. Un gars comme lui, là, comme Joe Goldberg, quelques emails, quelques retraçages d'IP, quelques trucs, quelques téléchargements, ça va vite. Hein. Avec Photoshop, moi je peux faire croire ce que je veux à qui je veux. Vas-y, fais-moi croire que t'es une meuf. Non, mais je pourrais te faire croire que je me suis transformé en meuf. C'est Moha2MZ, CZ, automatique, zoo. Le rap, je le prends, je le nique en faisant des grimaces comme un zoulou. Samir en sens interdit sur. Tu niques ta mère, oui. Frérot, je peux tout expliquer. Regarde, l'invention technologique. Tu m'as demandé un grand gobelet. Tu m'as dit c'est pour boire. Ça coule par terre, ça coule par terre. Mais non. Tu l'as rempli au frigo? Oui, regarde, tu te pointes. Petit verre, glou. Hop là, et t'as de l'eau fraîche mon frère. Ça rien en mettre partout, ça frère coule. C'est bon, ça coule pas. Et aussi, autre truc, t'as besoin de re-remplir. Pose ici s'il te plaît. On est bien. J'ai été victime de racisme. Oh, la dinguerie de baiser. Mais oui, mais frère, j'étais dans l'avion. Non, mais attends. À l'avion, à l'aller. Non, mais je peux même leur montrer la photo. Non, mais c'est un truc de fou. À l'aller dans l'avion, bon, bah, j'étais entouré d'un groupe de Renois. Et comme vous voyez, j'ai les cheveux blancs. Et je pense qu'ils ont assimilé le fait que j'ai des cheveux blancs avec le fait que je sois un raciste anti-Renois. Alors, je sais pas pourquoi. J'avais mon airdrop d'activé et ils m'ont envoyé deux airdrops. Le deuxième, je l'ai pas accepté parce que le premier, mec, ils m'ont envoyé. Attends, elle est où? Attends, mais ouais, mec, mais j'étais pas au grand plus. C'est un truc de fou, les gars. Oh là là, je sais pas où elle est, la photo. En gros, c'était un blobfish avec la tête de Zemmour. Et il y avait écrit « Bavoyons ». Il y avait écrit « Bavoyons ». Et Zemmour était comme ça. Hello, j'ai été victime de racisme pour la première fois de ma vie, je suis chocatch. Enfin non, pas pour la première fois de ma vie. Ah, t'as déjà été victime de racisme? Ouais, à la Réunion. Je l'ai déjà raconté. À la Réunion... C'est vrai que t'as un peu... Ah, elle a roulé sur mon pied. Tu vas faire quoi là? T'as plus de flow que mon daron, ça te dit de faire un tête contre lui en sar, je filme, je mets sur Pornhub tellement tu vas le baiser? Quoi? Merci Atsu! Mais t'es un baiser toi mec! Pourquoi on n'arrive pas à Chips Miguel? Ça va Miguel? Oui ça va. Merde, oui ça va Miguel? Ça va, oui ça va et toi? Chips! Ah bah tu t'es fait avoir. Pourquoi? T'es chaud. Bah je sais pas, tu parlais tout seul. Attends, t'as dit quoi? Faire. Tu... Incroyable Miguel. Comment je t'ai niqué? Il pue vraiment la vérité. C'est qui que tu parles là? Onizuka, là, tu voudrais faire l'image blanche. Le blanc, je l'ai pas. Le blanc, parce que c'est vide, ils disent rien. Comment ça, ils sont vides? Non, ils disent rien. Ils genre, parlent pas, genre? Genre leur com, mais il y a rien. Ok, et en haut à gauche, pourquoi? Ah ouais, c'est la famille Adams, QLF. Putain. Elle va se faire foutre. La famille Adams, QLF. Ils sont QLF de baiser, frère. Mais la famille Adams, ils sont QLF de baiser, mec. Mais c'est pas, c'est con. QLF de rien du tout, Pélo, c'est des sorciers. Il aurait pu mettre le roi Lion, Mowgli, n'importe qui, il nous a mis la famille Adams. Non, mais c'est trop. Mais la famille Adams, ils sont QLF de fou, ouais. Ils font des trucs contre eux. Attends, Borja. Si vous avez pas de j'ai rien à dire. Tu valides la famille Adams? Est-ce que tu valides? Mais tu connais. Du tout, frère, voilà. Comment ils sont niqués? Et il a mis un string sur Onizuka. Mais non, ça, c'est le personnage. Elle aime pas trop mes blagues, Amélie.
T'as pas peur de ça? Ça rentre pas ça? Non mais il faut les baiser une fois pour toutes. Eh hermano, faut les tuer. C'est la rue. On vient, tour, tire, balle dans la tête, tu meurs. Et hier t'as bien visé? Bien sûr, il a bien visé. Deux fois, il tirait, paf, paf. Fallait viser la cabeça direct. Ouais, il essaye, mais il est pris dans le bras et dans les côtes, je crois. Non, t'es chaud, Miguel. Merci, merci. Mais c'est toi que tu m'as tout appris, hein. J'ai rien appris du tout. C'est vrai, tu m'as appris que dalle. Tu te rappelles sur Rust, 1v3, tac, tac, bim, bam, ouais, boum. Ouais, ouais, demain. Et t'es bizarre, ben oui, cabron. Demain. Comment ça, demain, je te rappelle pas? Tu vas faire le ignorant? La LR, c'est trop fort. Devant ta base, devant chez toi, hermano. Bam, bam, bam. Tu étais roof camp. Bon, moi, ouais, en bas. Que... avec mes seringues, comme un grand. Non, mais c'était, il faisait nuit. Eh oui, ben pour moi aussi, il faisait nuit, cabron, hein. Ouais, je sais, mais bon. T'étais nicard. T'étais bien équipé. Genre, je peux un peu lui poser des petites questions? Non, moi je te réponds pas. C'est pas toi quoi l'accent. Tu parles tout seul, moi je te réponds pas. Vas-y, parle tout seul. Pitié, parle tout seul, dis-nous. Je sais. Bonnet. Allez, c'est bon, c'est finito. Ciao. Ciao. Tu lui as menti. La réponse, c'était tout simplement chapeau de paille, messieurs. T'étais presque, voilà. Mais et les gars, concentrés. Non, mais attends, mais t'as pas vu la dégrille? Moi, il a l'oreille, il a dit bonnet. Et lui, il était bête ou quoi? En plus, t'as bien joué. La compétition. Ah, je sais. J'ai dit chapeau. Quand j'ai dit chapeau, tu n'as jamais dit chapeau. Tu n'as jamais dit chapeau. J'ai dit Bob, c'est vrai. Des chapeaux de paille. Non, mais il a dit paille à un moment. Moi, ma meuf, elle organise un resto. Entre moi et son ex, je commande une entrecôte. Parce que quand tu commandes une entrecôte au restaurant, il te ramène un couteau spécial viande. Le reste sera inscrit dans l'histoire. Je peux pas vous en parler ici. Ah non, mais ça, je ne veux pas rencontrer l'homme qui a baisé ma femme. Mais c'est fou quand même ça. Et on marchait, et à un moment on voit une prostituée parce qu'on était dans la rue des putes à Toulouse, tu vois. Trop belle. Elle était trop belle, sa mère. Alors Nono il dit venez, on va lui parler. Moi tu sais, je suis grave timide, je reste derrière Nono. Nono il y va, on parle et tout. Et la meuf elle nous dit direct, moi par contre, moi je suis trans, etc. On parle, ouais, tu fais quoi et tout. Bichou il commence à lui sortir son Insta. Regarde, nous on est connus sur Instagram et tout. Et la meuf elle dit, bon, est-ce que vous avez de l'oseille? Nous on s'en bat les couilles, tu vois. Je lui dis, non, on a pas d'oseille. Et là elle me regarde. Et elle dit à Nono, toi t'es moche. Et elle dit à Bichou, toi t'es moche. Et elle me dit à moi, toi je te suce gratuit si tu veux. Je dis, ah ouais, tu me suces gratuit, t'es capable. Et là, elle attrape ma bite. Elle attrape ma bite. Nono il éclate de rire. Bichou il éclate de rire. Et on se pète. J'attends parce que j'ai couru là. Il me dit, ouais, attends, là, j'ai couru, mais voilà, je suis choqué, ce pays. Elle échappe tout bête, il est en face de moi. Je dis, comment ça? Je dis, comment ça, il échappe tout bête? C'est Lim Brabus, il est en face de moi, ce pays, comme ça. Je dis, frère, je m'appelle Thomas et tout. Miguel raconte. Tu manges la viande crue, wesh. Pourquoi tu fais ça, gros? Pourquoi tu manges de la viande crue? T'as perdu la tête? On t'a jamais appris à cuire un steak? C'est pas compliqué, mec. Un pute de Dieu. Merde, j'ai choqué. Des fois je faisais des feuilles avec des longs trajets. Il y avait un calcul, je mettais, voilà, au lieu de mettre 30 minutes, eh ben je mettais 0,5. Donc du coup dans mon calcul, au lieu de mettre 30 minutes, je mettais 0,5. Et du coup ça me baisait tout puisque le reste était en bas 60. Mais enfin bref, ça c'est un autre débat ça. On n'est pas les viveurs à Domingo. Pardon. Prout. Ha. Non mais il fallait que je me vide. Idéa, danse, fais pas la timide, biatch. Jamais je dépense pour une salope, danse, fais pas la timide, biatch. Je trouve ça aberrant, ils rêvent de nous voir derrière le grillage. Ratala, je passe pas les kilos, je vais beaucoup trop vite et dans les embouteillages. Beaucoup trop vite au feu rouge, je m'arrête pas, j'aime faire crier le bolide.